surtout pour cette reprise de série. Alléluia! Alléluia! 3 semaines. 3 semaines, Bruno. Bon, c'est ce qui aurait coûté aussi l'update. C'est 3 semaines. Normalement, pour info, l'update, on devait l'avoir pour Noël. Je l'ai eu que le week-end passé, là. Sachant que je tourne l'épisode le jeudi. Allez, c'est parti. Un petit truc multijoueur pour le fun. Après, on va s'attaquer à la saison. Allez, hop. Première injection de la reprise. En plus, en multijoueur, donc c'est easy. Ah, elle est pas mal, hein, c'est une nouvelle voiture. Hein. Il y a eu en tout. On était à. Je sais plus, je crois que c'est 78. Donc on est passé à 85. Alors qu'est-ce qu'il y a eu sur cette update qui a fait que du coup ça a tant passionné? Déjà, voilà, le nom de la mage, secteur 8. Voilà. Voilà, tu bug. J'ai tenté de faire comme le secteur 8. Hein. J'espère qu'il y aura des circuits secteur 8. Parce que franchement, là ça manque un peu qu'il n'y ait pas de secteur 8 en circuit. Parce que c'est un circuit, franchement. Je pense que vous allez halluciner de voir ça. Et j'aimerais bien avoir un débat par rapport à ça. Quand. Il y aura une course sur secteur 8. Par rapport à la question de l'épisode précédent, donc l'épisode 8. Voilà, au final, c'est bien réel. C'est pas un gros troll en fait. Hein. Quand je pense qu'au début c'était un titre d'épisode juste pour le troll. Allez, et ça fait premier. Alors aussi, le niveau max maintenant n'est plus le mode maximal, comme il l'a été, à cause de ça, déjà ça, et de ça. Alors, on va faire un petit tour rapide, voilà. Alors, je prends voiture, par exemple, celle-là, max, mais elle n'est pas au max. Voilà pourquoi. Voilà ce qu'il faut maintenant. On va obtenir par moment des pièces qui vont nous permettre d'améliorer encore plus les voitures qu'on peut avoir. Donc, et tout ça voilà, peut être pour n'importe quelle voiture. Bien sûr, il y a toujours ça. Hein. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, il y a beaucoup de changements. Alors, du coup, bah, on va s'attaquer à la saison 3, ouais. Saison 1, saison 2 et saison 3. Et là, on commence direct voiture électrique. Alors du coup, il m'en manque 2. Ah, c'est une électrique aussi. Nice. Alors, pour l'avoir testée, elle est vraiment magnifique. Super comme voiture. Franchement, c'est limite. Je le dis clairement, c'est peut-être une des voitures coup de cœur. Donc, je vais prendre laquelle? On va prendre celle-là. Allez, hop. Bon, ça, voilà, de toute manière, j'ai tout, donc... voilà. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué d'une manière limite sérieuse. Voilà.
Allez, bim. Allez, ça part. Ça c'est toujours le même circuit hein. Ah, franchement je vous le dis peut-être que multijoueur Wallet reviendrait finalement s'il y a si le secteur 8 est présent en multijoueur. Alors là franchement j'adapte, là franchement je serais franchement content. Parce que le secteur 8, c'est du what the fuck, mais du bon what the fuck. Voilà quoi. Pour moi, il y a un mauvais what the fuck et un bon. Donc voilà. Ça se voit que j'ai un peu perdu la main. Ouais, oh, oh les imperfections là. C'est de la grosse merde. Ah, c'est vrai. Oh le camion! Tiens, pousse-toi de là. Allez, bim, dégage. Et oui, alors, c'est vrai que du coup, là, il y a eu quelques modifications qui ont été faites. Je pense qu'honnêtement, là, on est qu'à la saison 9. Et on aura une 10e saison. Spécial secteur 8, je le sens bien. C'est ce secteur 8 qui va tout faire. Ah, d'accord, c'est celle-là, le Ferrari, d'accord, ok. Ok. Mais je l'ai pas. Toujours, j'ai toute ma, toujours ma petite chère Nissan. Je sens qu'il serait bien capable de nous faire une saison pas forcément spéciale. Bon, quoique peut-être une petite saison spéciale secteur 8 avec avec toutes les classes et tout type de courses représentées. Hein. Très bien. Franchement, si ça, moi je vote pour. Hein. Bon, pour l'instant, tout se passe très bien. Ouais, j'ai foiré mon coup. Ouh ! Alors là, ça, c'est bien joué. Même pas voulu, hein. Bref, aérienne, celle-là, je crois. Ah, je l'ai pas eu. Quand tu prends terre le truc, c'est un peu chiant. Joli, éjection. Double. Hop, on retourne à 300. Hop, éjection. Double. Triple. Ah. Je pourrais pas contre. Dommage. Première. Je tente. Oh, allez. Là, c'est. En éjection, par contre, j'ai pas perdu la main, je crois. Allez. Parce que là, quand même, ce que je sors, c'est. Oh le fou, là.
Pourquoi? Ah, ce qu'ils vont me dire, hein, niveau bonus. Hein. Double éjection, éjection multiple, éjection au dérapage. Triple éjection vrille. Ah putain. Elle était belle. Bon. Allez, petite dernière. Oh là là, élimination et Cadillac XTS. Et voilà, et au passage, hein, je sais que pour. Je sais que je vais le dire sur toutes les séries sociariennes parce que malheureusement, tous les épisodes qui concernent le mois de janvier ont été tournés et sont déjà en mode d'attente pour se faire envoyer sur YouTube. Donc, je le dis clairement, bonne année à tous hein, aussi, hein, quand même. Parce que voilà, c'est vrai qu'en ce moment j'ai pas trop la tête à ça. Pff, voilà. Je parle, je suis pas concentré. J'espère que franchement vous allez parfaitement bien, que vous avez passé de très belles fêtes. Voilà. Voilà, c'est limite la première vidéo hors Ion qui sort, je crois. Et MK8, parce que MK8 c'est spécial maintenant avec l'arrivée de MK8. C'est vrai que niveau voiture, vous aurez masse. Hein. Je me dis, si j'ai en plus le... Ce serait bien que j'ai un... Voilà, un boîtier d'acquisition. Et là, c'est par contre, vous partez avec limite 3 vidéos, voire 4 vidéos de jeux de course dans la même... Dans les deux... En deux semaines. Donc, voilà, quoi. Au lieu de là, on va piquer vers deux, voire 3. Donc c'est vrai que voilà. Bon allez, ça se passe très bien. Alors oui, du coup, j'ai modifié ça dans l'emploi du temps mercredi. Quand vous aurez vu la vidéo. Oui, c'est mercredi. Donc je mettrai Assault 8 et point. Avant c'était écrit Let's Play, mais si par exemple il y a Secteur 8 ou des choses comme ça, de telle manière que ce ne soit pas trop renfermé cette série, que j'aimerais vraiment la rendre assez complète. Donc que ça soit du multijoueur et aussi du solo bien sûr. J'essaierai de faire un maximum dans ce let's play. Pour l'instant je ne suis pas en capacité de pouvoir tout finir du fait qu'il me faut déjà la NSA pour pouvoir limiter vraiment la casse, parce que là la Tuatara a été baissée en fait suite au pic pro. Donc on va voir ce que ça pourra donner avec la NSA. Je pense que là vraiment on pourra vraiment bien limiter la casse, et c'est la victoire. Et bah j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette vidéo de repied sur la Assault 8 avec la nouvelle match Secteur 8. Ah oui, juste pour vous montrer rapidement, voilà, la Tuatara 1725 en pro, voilà, la Chrysler, la Peugeot X, la NSA qui est là. Donc voilà, ça je suis pas du tout près de l'avoir, je crois. Donc sur ce, je vais vous laisser, et sur ce, bye bye.